le règne minéral est le plus répandu sur notre planète. Et beaucoup de choses proviennent des minéraux, les métaux, les végétaux, les plastiques, les carburants, etc. Pour comprendre d'où vient le cristal et comment il se forme, nous allons faire un voyage dans le temps aux origines du monde. Cristaux, ce sont des macles. Ce sont des cristaux qui partent de la même base et qui concentrent l'énergie, mais qui sont, nous dirons, comme celui-là, tu vois, un peu entrelacés, tu vois. Et celui-là, il pousse à côté, mais ils sont dans la même base. Et ça, c'est à l'origine, ils se sont imbriqués à l'origine. À l'origine, ils ont été imbriqués ensemble. Le règne minéral est le plus répandu sur notre planète et beaucoup de choses proviennent des minéraux, métaux, végétaux, les plastiques, les carburants, etc. Pourquoi ? Le Big Bang fut une extraordinaire explosion d'énergie. Cette théorie n'est plus contestée aujourd'hui grâce à la confirmation du satellite GOBE qui enregistra le bruit de fond fossile que l'on retrouve dans tout le vide spatial depuis environ 15 milliards d'années. L'univers continue de s'expanser, entraînant avec lui tout ce qui le compose. Alors je te montre encore un Mac, tu vois, il est la base et il y en a deux encore là. Et là aussi, je te montre un, c'est pas un Mac lui, mais il est accolé. Il est accolé. Alors donc là maintenant je te parle des cristaux bidéterminés, c'est-à-dire terminés des deux côtés. Ce sont des cristaux qui sont nés, elles ne sont pas accrochées à la terre, à la mère terre. Elles sont dans des fours. Elles sont dans des fours. Alors je te remonte, tu vois, le biterminé, c'est-à-dire terminé des deux côtés. Te montre terminé des deux côtés et je te montre la différence avec ceux qui ne sont pas biterminés. Voilà, ceux-là on les a arrachés à la terre mère, elles étaient accolées à la terre mère, ouais. Tandis que celles-là elles sont nées dans des fours à cristaux comme ça. La matière première, constituée de nuages gazeux d'hydrogène, généra les premières galaxies, puis les premières étoiles. Même si le temps de vie d'une étoile nous paraît infini, ces premières étoiles géantes moururent et libérèrent dans le cosmos les éléments lourds de leur noyau sous forme de poussière. Il y a quelques milliards d'années, dans notre galaxie, une planète voyait le jour par l'attraction de ses poussières d'étoiles, mais au début, la viscosité et la rotation de la Terre firent descendre dans son centre des éléments lourds, essentiellement constitués de nickel et de fer, qui formèrent son noyau. Autour de ce noyau, on trouve le manteau, couche d'environ 2900 à 3000 km d'épaisseur. Imaginons que nous descendons vers le centre de la Terre, nous ne rencontrons finalement plus rien de solide. Il ne reste qu'une bouée surchauffée, c'est le magma. Je te présente les formes pyramidales, mais elles sont usinées, elles sont polies, elles sont, si tu aimes mieux, taillées. Ça ne vient pas, cette sorte ne vient pas. J'en ai des sortes qui sont naturelles, mais celles-là, elles ont été polies, travaillées. Alors, tu vois, j'en ai trois. Je te les présente. Celle-là, je la trouve magnifique parce qu'il y a un sommet. On jurerait de la neige. Et ça, c'est naturel. Elles ont un emplacement spécial ou autre chose? Oui, oui. Il faut que, avec mon pendule, j'ai trouvé la zone nord. Et j'ai mis, moi, une petite marque. Je sais que là, c'est nord. Donc, il faut que
ma façonneur, soit façonneur, pour qu'elle produise l'énergie. Tu vois, elles ont toutes la petite marque et elles sont face au nord. On peut voir le magma comme une solution très dense d'où sont dissous ses divers constituants atomiques. Sa composition détermine dans une grande mesure la nature du minéral qui composera la roche finale. Oxygène, silicium, aluminium, fer, magnésium, calcium, sodium et potassium. Ces structures, Isabelle, comment elles s'appellent? Ces structures, ce sont des doubles pyramides, tu vois. Et ça, c'est naturel. Ça n'a pas été taillé, ça. Et c'est la fluoride qui fait ça. Alors, tu vois, j'ai une plus grosse et j'ai une plus petite, beaucoup plus petite. La fluoride, hein, elle est c'est exactement selon cet ordre, représente 99% des éléments en présence dans la couche terrestre. Les conditions qui président à la formation des divers cristaux sont complexes. Néanmoins, l'on peut dire que dans le magma, en refroidissant, se cristallise dans un ordre qui dépend de leur degré de solidité. Le manteau est maintenu à l'état plastique par la fusion du noyau. Voilà. Alors après la structure que je t'ai montrée de pyramide travaillée, puis pyramide naturelle double, ta aide, je te montre maintenant des œufs, mais ils sont polis eux aussi. Hein. Alors c'est quoi comme pierre? Alors ça c'est le quartz rose poli. Hein. Ça c'est la rhodochrosite. Là tu as la ça va venir, elle dit non. Ça c'est l'onyx noir et l'onyx en couleur. Alors je t'ai monté la rhodochrosite, je t'ai montré le quartz rose et ça c'est la. Je m'en rappelle plus. Mais je vais te le dire. T'as pas arrivé, c'est pas grave. Et les deux autres, qu'est-ce que c'est? Alors ça c'est une. Toutes les deux. Ce sont des. Le manteau est maintenu à l'état plastique par la fusion du noyau, c'est-à-dire qu'il ressemble à une pâte molle et autour du manteau on trouve la croûte terrestre qui est relativement très fine comparée à la masse du globe. La croûte est constituée de roches qui elles-mêmes sont composées d'un ou de plusieurs minéraux. Les roches peuvent être de trois sortes, volcaniques, métamorphiques, sédimentaires. Roches volcaniques, elles sont issues du magma, qui est dans un état fluide et remontant par les fissures de la croûte terrestre. Comment ça se fait ça? Est-ce que c'est synthétique ou c'est naturel? Ça c'est naturel, c'est des inclusions dans la pierre qui donnent l'effet, l'irisation de l'arc-en-ciel. Mais c'est naturel ça, c'est. Je te montrerai tout à l'heure des quartz fantômes. Et là, une boule, ce qu'on appelle c'est une boule de cristal, et celles qu'on trouve dans le commerce, elles sont coulées, elles sont comment? C'est synthétique? Non, elles sont toutes naturelles, la vraie boule de cristal, hein, la vraie boule. Ne parlons pas de la boule qui a été fabriquée avec le sable, alors ça c'est le cristal, c'est pas le cristal de roche. Le vrai cristal de roche est naturel, ça c'est, il n'y a pas d'autre chose. Elles sont de deux types, les roches volcaniques extrusives, qui sont de tous les types de laves volcaniques, depuis la pierre ponce très tendre
jusqu'au basalte très dur. Ces roches sont expulsées lors des éruptions et se refroidissent très rapidement. Les roches volcaniques intrusives qui s'infiltrent dans la croûte terrestre mais ne peuvent trouver un chemin jusqu'à la surface et subissent un refroidissement beaucoup plus lent. C'est dans ce type de roche que se forment les cristaux. Alors là, Isabelle, qu'est-ce que tu nous présentes? Ce sont des géodes. Je te présente deux géodes. Ce sont des géodes d'améthyste. Et tu vois, dedans, il y a des cristaux de roche qui sont venus. Et là, c'est une beaucoup plus petite de géode. C'est deux sortes de géodes. J'en ai une autre, mais très petite, que je vais te montrer. Pour le moment, Isabelle, c'est bon. Dis-moi, Isabelle, est-ce qu'on s'en sert éventuellement pour réénergiser les cristaux? Voilà. Comment ça fonctionne? Exactement. Quand tu as tes cristaux que tu les as d'abord lavés, passés, si tu veux, au sel, à l'eau salée pendant ce jour, ou alors simplement rincés, tu les mets dedans. D'ailleurs, si tu mets ta main, tu sentiras une chaleur. Et l'énergie qu'il y a dedans re-énergise le cristal, enfin la pierre que tu mets dedans. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Ça veut dire que le cristal, quand il travaille, il se fatigue et il faut le temps de se ressourcer. Je ne parle pas quand il sort de la terre-mère. Hein. Je dis après qu'il a travaillé, il lui faut un certain temps pour se réénergiser. Mais là aussi, il faut que je te parle de la géode. Il ne faut pas la mettre plein soleil parce qu'elle perd de sa couleur. Il faut qu'elle reste pas dans l'ombre, mais l'améthyste ne doit pas être en plein soleil. Sinon, elle blanchit, elle perd sa jolie couleur violette. Donc pour la conserver, il faut qu'elle soit relativement semi-temps. Parce que nous sommes dans l'améthyste, je vais te montrer une pierre qui a été taillée. Alors là, Isabelle, c'est une statuette en améthyste. En améthyste pur qui a été taillée, travaillée. Elle a été travaillée. Hein. Alors je te la montre, je la tourne pour bien que tu la vois. Elle est toute taillée. Elle a été taillée dans un gros bloc d'améthyste. Ça devait être un bon morceau. Hein. Alors l'améthyste, c'est une particularité thérapeutique peut-être? Oui, l'améthyste, elle calme et elle est surtout très bonne pour les gens qui... les alcooliques. D'accord. Mais tout à l'heure, je t'en parlerai mieux.